Ils attendent avec impatience la fin du compte à rebours. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce soir, l'un d'eux va quitter la maison. Anthony, qui a dévoilé ses sentiments à Marine quelques jours auparavant, ou Ludovic, qu'elle pourrait trouver trop pressant. Marine se met face à nous comme d'habitude. Et là, elle me regarde, elle fait un sourire. Elle regarde Anthony, elle déglutit, elle me regarde à nouveau, elle me fait un sourire. Elle redéglutit en regardant Anthony. Attends, il y a un truc, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle fait? On attend des secondes qui deviennent des minutes. Et d'un coup, elle dit... Anthony, tu vas venir avec moi? Est-ce qu'elle le prend parce qu'elle va l'éliminer ou est-ce qu'elle le prend parce qu'elle va le garder et que moi je reste dans la maison parce que bah toi tu vas faire tes bagages? Je fais quoi? Ludovic se retrouve isolé dans la chambre, sans savoir si Marine a décidé de le garder auprès d'elle. La belle a maintenant choisi de s'entretenir seule à seule avec Anthony. Pour les garçons, le stress monte. Bon Anthony... C'est toi que je vais éliminer ce soir. On va dire que tout est fini. J'aurais voulu savoir, j'aurais voulu comprendre pourquoi est-ce que... Tout simplement pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas de moi. Et peut-être que c'est cette différence, tu vois, qui fait que... Qu'elle ne veut pas de moi. Même si je sais que ça a eu un choix, encore une fois, très difficile. Et ouais, j'espère vraiment sincèrement qu'on se reverra. J'espère. C'est ainsi que ce thérapie de 50 magique. Dans une pluie de roses. Et là, vous entendez les larmes qui sont dans ma voix, qui essayent de passer à travers. C'est ce dont j'avais tant espéré. Moi, je veux que tu sois la plus heureuse. Parce que moi, je t'aime tellement. Et si je devais subir cette élimination, je pense que j'aurais difficile à m'en remettre. Ça a tellement manqué. Et c'est tellement triste de se quitter comme ça, et c'est... C'est pas évident. Ce qui me fait mal, c'est de me dire qu'on avait des points communs tellement forts avec le piano que... J'ai peur de ne pas trouver autre personne qu'elle. En tout cas, c'est toi qui m'auras fait les plus belles déclarations de toute ma vie. Ah oui? Ouais. Ça, j'oublierai pas, je te souviens. Les belles déclarations d'Anthony n'ont pas suffi. Tout comme Marc, la belle vient de l'éliminer. Il ne reste maintenant plus que Benjamin et Ludovic dans la maison, et ce soir, l'un d'eux sera l'élu du cœur de Marine. En attendant, Anthony remonte voir Ludovic pour lui annoncer que Marine a décidé de le garder.